Louis Bézère, bonjour. Bonjour. Auteur du seul essai inscrit cet après-midi pour le VRDR contre Aubenas. Ça vous est pas arrivé souvent de gagner contre le RCAV? Ni de marquer un essai, mais non, on n'a pas gagné souvent. On était sur une phase positive, il fallait absolument qu'on finisse l'année en beauté. Alors le score ne reflète pas, le score ne traduit pas quelque chose d'exceptionnel. En revanche, ce qui était important, c'est la victoire. Et on a réussi à gagner aujourd'hui, donc ça fait du bien. Et ce derby se disputait dans un contexte un peu particulier, dans la mesure où les deux équipes étaient en fin de classement. Je crois que les deux équipes ont vécu l'année 2016 un peu compliquée sportivement. Et c'était un peu mal revaincu. Donc là, on passe à la 9e place, Aubenas passe 10e. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien avant de partir en vacances. Et voilà, on profite un peu de ce moment. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui, finalement, contre cette équipe d'Aubenas qui a montré. Surtout en fin de match, qu'elle avait du répondant et qu'elle avait des arguments. On est resté solidaire, on est resté combatif. Le coaching a été bien fait. On a réussi à ne pas prendre trop de points sur nos temps faibles. On prend un carton, on reste à 14. On arrive à remettre la main sur la balle et à multiplier les temps de jeu pour rester devant le score. On occupe le terrain sur la fin, c'était vraiment intéressant. D'accord. Et à titre personnel, donc c'est la première fois que vous mettez un essai. C'est contre Aubenas. Contre Aubenas. Ça fait du bien, ouais. Ça fait plaisir. Après, c'est tout. Racontez-nous l'action un peu. C'est tout. Non, il y a plusieurs temps de jeu. Je suis à l'intérieur de moi de la bille. C'est tout sauf un exploit individuel. Hein. C'est juste. C'est vraiment la consécration d'un gros mouvement collectif avec tout le monde qui a fait le taf. Je pense qu'on doit avoir peut-être 10 temps de jeu sur l'action. Et là, je suis au bon endroit au bon moment. Merci.